Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Dynasty Warrior 9 sur PlayStation 4. Édité et développé par Omega Force, Echo et Tecmo, note de 14 sur 20 sur Game Rankings, ce qui est assez sympa. On quitte enfin la tradition du 11 sur 20 pour la saga des Musou Dynasty Warrior, sortie officielle le 13 février 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Je m'attarde légèrement sur le menu. On n'a plus un menu Sega, comme je l'appelle, vous savez, où est-ce qu'on pouvait choisir son histoire, son mode libre, les configurations, etc. Petite parenthèse aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les options, car l'anglais est la langue par défaut du jeu, donc si vous voulez mettre les sous-titres en français, vu que l'audio n'est disponible qu'en chinois, japonais et anglais, vous risquez, si vous n'avez pas les sous-titres en français, de ne pas comprendre, à moins de les mettre en anglais si vous êtes un peu bilingue. Du coup, je m'attarde donc du coup sur l'histoire, vu que là, le mode libre n'était pas présenté dans le menu. Nous pouvons choisir différents camps, dont du coup ils sont toujours présents, les Wei, les Wu, les Shu, les Jin et les autres. Je me base d'habitude sur le Wu, qui est mon clan préféré, j'ai un petit peu avancé, je suis monté jusqu'au chapitre 4, et voilà ce que je voulais vous montrer. Quand on commence dans le chapitre 1, en fait, nous avons le choix entre 4 personnages. Si on veut avancer dans le chapitre 2, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est dessiné, à part Sheng Pu, le nouveau personnage du Wu que j'ai pris pour débuter le jeu. Et en fait, il va falloir faire l'histoire avec chacun des personnages si vous voulez les jouer dans les chapitres qui suivent, en fait. Par exemple, dans le chapitre 3, je vais pouvoir incarner tous les personnages qui sont éclairés, mais les personnages du chapitre 1, n'ayant pas joué avec eux jusqu'au chapitre 3, à part pour celui-ci, qui peut suivre tous les chapitres, eh bien je ne peux pas les sélectionner. Vous devrez faire donc du coup l'histoire avec les personnages avec lesquels vous voulez réellement jouer pour pouvoir faire le chapitre correspondant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse à montrer, c'était la petite nouveauté. Je vais directement donc du coup poursuivre l'aventure avec le nouveau personnage du jeu, quitte à vous montrer du gameplay, autant le montrer sur un nouveau personnage. Je vous épargne les temps de chargement qui sont un petit peu longs. Je vous dis à de suite. Avant de commencer sur du gameplay, je m'attarde dans une de ces grandes villes. Pourquoi je dis grande ville? Parce que, oubliez tout ce que vous avez pu voir des anciennes Dynasty Warrior, cette fois-ci c'est un immense open world qui s'offre à nous, avec en fait un pseudo mode libre dans lequel vous allez pouvoir parcourir toute la vastitude de la map. Des quêtes principales et secondaires vous seront proposées pour faire avancer la trame scénaristique, peu importe dans quel clan vous vous situerez dans les 4 grandes maisons de la saga Dynasty Warrior. Je voulais surtout m'attarder sur le forgeron, l'un des nombreux PNJ que va vous proposer ce 9ème opus, le PNJ sur lequel vous allez vous attarder le plus souvent. Vous pouvez lui acheter vos armes, donc c'est ici que maintenant s'obtiennent les armes, vous ne les obtenez pas au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu comme les précédents Dynasty Warrior, même si pour certains maintenant, le vendeur était quelqu'un, c'était assez récurrent maintenant de pouvoir accéder aux items grâce au vendeur. Je m'attarde aussi sur le personnage que je vous montre, Sheng Pu niveau 25, vous pourrez ensuite améliorer chaque niveau que votre personnage va prendre, et bien lui donner un point de compétence dans ce que vous voyez à gauche, vie, musou, endurance, attaque, etc. La reforge qui est présente du coup, vous sélectionnez votre arme et vous allez pouvoir mettre une gemme de votre choix dans un des chasses vides que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Une gemme par exemple, celle-ci a un élément feu. Oubliez tous les combos que vous avez pu faire avec carré et triangle à placer au bon moment pour faire des combos conséquents. Cette fois-ci, vous n'aurez qu'à appuyer sur R1 et faire l'une des 4 touches symboles de la DualShock 4 pour faire des combos conséquents et ainsi pouvoir les enchaîner pour faire plus de dégâts. Si je fais par exemple R1 et triangle, qui va s'accorder au slot lancé que vous voyez en haut, eh bien la gemme de feu s'activera et fera des dégâts feu, élément feu, lorsque j'appuierai sur triangle. CQFD. Ce qui est cool aussi, c'est que l'équipement peut être accordé à n'importe quel personnage. Par exemple, Sheng Pu qui joue normalement bâton double lame, eh bien je peux le faire jouer par exemple avec le katana de Zutai. Par exemple. Donc c'est assez cool, moi qui avais un souvenir assez amer de Zhou Yu, mon personnage préféré dans le Wu, qui jouait avec sa fameuse Elder Sword jusqu'à Dynasty Warrior 5, et c'est à partir du 6 qu'ils lui ont mis un bâton dégueulasse, donc c'est plutôt sympa de pouvoir modifier. Et bien le gameplay de chaque personnage. Mon objectif étant à 1123 pas, je ne vais pas pouvoir... Non, comme c'est une mission enclenchée, je ne vais pas pouvoir me TP à part dans les grandes villes, mais là ça ne me servira à rien.
On va appeler mon super cheval buggé. Pourquoi je dis cheval buggé? Eh bien, tout simplement parce que déjà, quand on l'appelle, bah, il arrive d'un coup, on le voit pas. Et il suffit que je le fasse sprinter pour qu'il se cogne partout dans les murs. Enfin, il a un angle de direction assez dégueulasse, ça fait bugger la map, des sauts de caméra, c'est horrible. La barre en bas que vous voyez, voilà, une fois vide, il se met à cabrer. Il s'agit de l'endurance bah, de votre canasson. Donc à vous de bien jauger l'endurance quand vous sprintez avec la touche R1 pour aller plus vite. Du coup, alors, là, ouais non, c'est parce que j'avais vu en fait un truc affiché sur la map, mais non, en fait, il n'en est rien. On va continuer. Le chemin vous est indiqué sur la map avec des petites flèches bleues. Des choses annexes peuvent s'afficher aussi en alerte en fait sur votre écran. En bas de l'écran, bah, vous voyez par exemple ma vie, le musou et mon endurance. Donc là, on n'est plus très très loin, mais... Attendez, c'est des points rouges que je vois sur la map ou pas? Oui, effectivement, oui, c'est des points rouges. Alors, on en a passé un groupe. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais. Allez. Allez, on va faire un petit peu de gameplay quand même. Il serait temps quand même de vous montrer un petit peu les capacités de ce nouveau personnage. On est là pour montrer de la nouveauté. Quand je reste appuyé donc du coup sur R1, vous allez voir brièvement les techniques s'afficher. Mais comme je les enchaîne assez rapidement, vous ne verrez pas le panel assez vite. J'ai pas le temps de garder le panel actif pour pouvoir taper. Les coups s'enchaînent avec une rapidité déconcertante. Quand les ennemis n'ont plus la vie rouge mais une vie blanche, c'est qu'en fait ils se rendent, ils vont fuir et ne vous attaqueront plus. Vous pouvez donc du coup les buter comme un gros enfoiré, ils vont se rendre en fait, ils se laisseront taper. Des camps peuvent être pris, ce qui permettra donc du coup à votre armée en gros de progresser, de prendre divers checkpoints, des bases pour faire augmenter cette barre de supériorité numérique qui se trouve en dessous de la minimap en haut à droite. La fameuse barre qui est scindée en deux, d'une part d'une couleur bleue qui sont vos alliés, les rouges, les ennemis. Ça reste du Dynasty Warrior. Je ne vous apprends rien. Allez, on est à moins de 150 pieds de l'objectif. Ah oui, il commence à vraiment y avoir du monde et je ne fais pas gaffe à mon endurance. Il est temps d'aller se taper un peu. Donc... Oh, mais je vais devoir affronter l'un des personnages principaux de la saga. Le fameux Wangzong. Donc des fois, vous pouvez avoir un véritable général qui vous tombe sur la gueule et pas des mini commandants. Ce qui fait que le combat peut être un petit peu plus difficile en fonction de la puissance du général. Voilà. Wangzong n'est pas vraiment un gros repère dans ce qui est ce qu'on pourrait appeler un général quand même efficace. On est loin d'un Cao Cao ou d'un Zhao Yun. Voilà qui est fait. Oh, en parlant de Cao Cao, en fait, Cao Cao c'est Cao Cao si vous préférez, hein. Cao Cao, le fameux général du Wei. Pourquoi je dis Cao Cao? Tout simplement parce que le C se prononce Ts en japonais. Donc, par exemple, voilà, Zhouyu qui était en train de parler, voilà, on ne dit pas Zhouyu, on dit Zhou. Le Z se prononce J aussi. Petit cours linguistique, ça fait jamais de mal. Donc voilà, mission terminée, on prend les points et là on n'a plus qu'à avancer. En fait, les missions s'enchaînent, c'est pas genre on revient au menu, non, tout se fait. Donc du coup, bah, on va enchaîner, on va pas s'arrêter là quand même. Mais du coup, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, est-ce que vous voulez que je vous raconte une petite anecdote? De toute façon, vous avez pas trop le choix, de toute façon, je vous entends pas. Cao Cao, dans les Anglais, quand ils voient le mot Cao Cao, pour nous prononcer en français, eux, ils le prononcent Cao Cao, C-O-W, donc la vache. Eh bien, figurez-vous que, donc du coup, Cao Cao, bah, c'était un peu le nom comique dans la version anglaise de Dynasty Warrior. Quand le fils de Cao Cao est arrivé dans le roster, il s'appelle Cao Pi, P-I, après le C-A-O, eh bien, les Anglais, eux, l'ont prononcé, nous en français c'est Cao Pi, du coup, eh bien, eux, ils l'ont prononcé Cao Pi, qui veut dire, ben, voilà, phonétiquement, P
pisse de vache, quoi. Et à cause de ça, eh bien, figurez-vous que le personnage de Cao Pi ne porte pas le nom de Cao Pi dans la version anglaise. Alors là, je vais vous montrer un truc assez fada. Hop, voilà. On n'a plus besoin de péter un général pour ouvrir une porte. Vous avez un grappin, n'importe quelle structure que vous ne pouvez pas, à laquelle vous ne pouvez pas accéder, tout simplement. Eh bien, vous pouvez l'escalader avec un grappin. N'importe quelle structure, j'ai bien dit n'importe laquelle. Plus rien ne vous arrête dans Dynasty Warrior, même pas les murs qui sont vos ennemis principaux. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'était la petite anecdote pour Cao Cao et Cao Pi. Comme quoi, bien les Anglais sont un peu trop coincés là-dessus. En fait, c'est juste eux qui prononcent pas bien. Enfin voilà, ce sont les merdes, ça n'arrive qu'au Wei. Si vous avez vu par exemple les trois royaumes de John Woo, qui est un excellent film qui retrace justement dans la Chine antique, la guerre de la puissance Han qui regroupait le Wei, Shu et Wu face à la révolte des fameux turbans jaunes. On sait forcément que le Wei, c'est un petit peu le méchant en fait de l'histoire, de cette époque Chine antique impériale. Son Musou est vraiment génial aussi à Shenpu, franchement il fait vraiment mal, c'est abusé. Qu'est-ce qu'il me veut? Enfin bref, voilà. Du coup, Cao Cao, c'est terminé. Ce sera le premier. Enfin, non. Ce sera justement l'un des derniers clans qui restera debout face au Wu, vu que les Shu, eux, vont perdre. Liu Bei, le général, qui lui mourra de maladie, qui va d'abord s'allier au Wu avec un mariage arrangé. La fille de Sun Jian, le fameux tigre du Wu, offre sa fille en mariage au général, pour allier le Shu et le Wu pour combattre le Wei. Enfin voilà, bon, pour les fans de Dynasty Warrior, je n'apprends rien, j'essaie d'expliquer tant bien que mal le lore de Dynasty Warrior, mais il est vrai que, bon, on n'est pas là non plus pour faire un cours d'histoire, on est là pour parler de gameplay et de jeux vidéo. Mais ça reste néanmoins intéressant. Ce personnage, franchement, est assez sympa, comme d'habitude, les nouveaux personnages qui sont donnés dans le jeu, bah, Irox du poney mort, clairement, hein, c'est vraiment abusé. Mais lui, vraiment, c'est agréable de le jouer. Il y a certains personnages qui ont un gameplay assez bas, en fait. Ouais, c'est bien par là. Je voyais pas d'objectif, mais bon, en fait, au final, il faut bien que je rejoigne toute ma squad. Et on va terminer pour battre Liu Biao. Ah ! Le fameux combat de Liu Biao. Donc c'est pendant ce combat, en affrontant ce général, que le Wu, enfin, dit la dynastie Han, que le Wu fait partie encore, le Wei, le Wu et le Shu sont encore unis et ne se sont pas séparés, et bien Sun Jian va mourir à ce moment-là. On est au fameux épisode où Sun Jian décède. C'est avec la mort de Sun Jian que les forces de Sun Quan, son frère, va prendre le pouvoir du Wu et essaiera de mener tant bien que mal cette guerre. Putain, le général, j'arrive pas à l'avoir, il est dans une hors zone. Quelle horreur. Allez, tu vas sortir? Mais sors, bordel! Oh, bon. Tiens, voilà. Ouais, voilà, bon, attends, si tu fais chier, attends. N'oublie pas que j'ai un arc, moi. Hein. Oui, toujours l'arc, flèche du bas, et ensuite vous tapez avec carré. Ouais, pour décocher une flèche, c'est carré, c'est assez bizarre. J'ai souvent l'habitude en réflexe de faire R1 ou R2, comme dans n'importe quel shooter. Mais là, il s'agit de toute façon d'un jeu hack and slash. Et par contre, le cheval, c'est vrai que vous allez l'utiliser souvent. Vous pouvez aussi appliquer la course automatique, comme je le fais de temps en temps, avec la touche L2. Il suivra le trajet, vous amener directement à votre destination. C'est bien les gars, vous rentrez dans le château, moi je suis déjà là et je fais le ménage plus tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. Hop, yes. Tant que vous avez de la barre d'endurance, la barre verte en bas, vous pouvez sauter et faire des rebonds contre les murs. Donc du coup, je fais un saut, je fais un rebond en arrière et je ressaute vers le mur, ce qui fait que j'ai pris assez de hauteur pour pouvoir traverser le mur. On va pas s'occuper du boss de suite, on va quand même taper 2-3 gars, hein. Parce qu'après ce boss, je pense que j'aurais pas d'autre chose à montrer vu que ça reste du hack and slash. Ce sont toujours les missions qui s'enchaînent, mais c'est énormément de nouveautés. Un gameplay donc du coup qui a été revisité, des graphismes, oh, je vous en parle même pas. Des graphismes tels que apparemment ça a été un petit peu mal modé.
comptez 47 Go d'occupation de votre système PlayStation 4. Ouais, 47 Go. On n'a pas l'habitude, sachant que le précédent faisait même pas 25. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, par contre, quand vous enchaînez les combos, c'est... Ah, vous voyez comment ça poutre. Avec une facilité telle, quand même, on applique les combos, c'est un truc de fou. Franchement, le jeu, les néophytes jusqu'aux professionnels peuvent vraiment prendre un pied fou, parce que le jeu est d'une intuitivité sans pareil. C'est vraiment... C'est un pur bonheur de fracasser des types en hack and slash en pensant qu'on gère alors que les combos se font tout seuls en fait. Il suffit de toucher une cible pour que la suite puisse s'enchaîner, vous n'avez qu'à changer de touche tout en restant appuyé sur R1 et le reste ça se fait quoi. Vous faites le café automatiquement quoi. Et ça c'est vraiment cool. Il y a quand même beaucoup de temps de chargement, même si vous n'en voyez qu'un là maintenant, croyez-moi qu'il y en a pas mal et ça c'est un peu désagréable, ça vous coupe dans le délire quoi. Du coup voilà, j'ai terminé ma mission. Ah, et la fameuse scène où Sun Jian va mourir. Du coup, je pense que je vais pas montrer davantage. Ça reste un bref test gameplay découverte. Mais vous montrer du reste, ce serait toujours montrer la même chose. Si vous aimez les Dynasty Warriors, celui-là foncez parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Ce côté open world ajoute un gros vent de fraîcheur. Il mérite son 14, contrairement à tous ses 11 habituels. Et ça, c'est vraiment top. Franchement, GG à Koei Tecmo et Omega Force. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine pour un prochain test gameplay, portez-vous bien et à ciao! Must remember, future of our family!